Et hey, salut tout le monde, ça c'est Léponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour découvrir la manière, une nouvelle manière de faire une livraison de mes biens commerciaux dans Bunker. Donc là, c'est indiqué une arme. Il faut que je livre une arme en surplus à ammunition. Donc, avant tout, je vais vous inviter de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Puis toi qui passes par là, si tu aimes bien mes contenus, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche, bien sûr, pour recevoir mes prochaines vidéos. Okay, this should be about as simple as it gets. The store knows you're en route. As soon as they confirm receipt of the parts, they'll release the funds. Standard disclaimers apply. In the event that you're intercepted, everyone you've ever known will deny all knowledge of your actions. I have a duty to warn you about the potential for bad actors to have tracked this shipment. Blah 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 blah. You know the score. Ok, on va dire que je connais le sensor. Oula, si je commence à être bloqué, c'est pas bon ça. Il a du mal à avancer, hein. Donc il y a 3 km à faire. Allez, hop. Ah, la route, elle est pas facile, hein. Comme par hasard, il pleut. Il pleut et ça dérape énormément. Il faut que je fasse attention d'ailleurs pour ne pas tomber dans la rivière. Je vais avoir bientôt la grande route, je pense. Pas loin. Allez, j'accélère un coup. Il reste 2 km. Pour l'instant, il n'y a pas de danger qui m'attaque. J'espère que non. J'espère que non, parce que sinon, je serais fâché. Parce qu'il y a 400 quand même, 400 000 dollars de marchandises, hein. Et c'est pas rien. Allez, je prends la grande route. Il reste 1 km 68. Bon, pour l'instant, ça a l'air tranquille, hein. Je livre tranquillement, il n'y a personne qui barre le chemin, il n'y a ni PNJ, ni les joueurs, ni d'autres joueurs. On va dire ce côté caché encore du jeu jusqu'à ce que ça va faire des dégâts. Allez, je suis presque arrivé, 800 mètres. Ah, la voiture, enfin la voiture, le 4x4, il a du mal à avancer. Hein. Ça doit peser une tonne là-dedans. Allez. Allez, je suis presque. Et j'accélère. J'accélère, j'essaie d'accélérer. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. On va voir ensemble, mais je pense que j'ai compris. Ah ouais, bah oui, c'est évident. Donc, combien je gagnais? 150 000 de... Ouais, 150 000 dollars. Et voilà, mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Puis, toi qui passes par là, si mes contenus te plaisent, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!